Bonsoir. Il y a des semaines où l'actualité est si riche, si variée, qu'on ne sait plus exactement ce qu'il emporte. Est-ce la tentative de Boris Yeltsin de briser l'obstruction de son Parlement? Est-ce le GATT et son cortège de discussions, négociations et conflits entre l'Europe et les États-Unis? Est-ce le nouveau plan de lutte contre la drogue qui s'attelle à une tâche immense face aux ravages du sida? Est-ce l'adoption par la Knesset, le Parlement israélien, du plan de paix avec les Palestiniens? Ces semaines-là, où tout va bien et mal à la fois, on a envie de prendre un peu de recul. C'est ce que nous allons faire ce soir avec un homme à la fois engagé et distant, révolté et naïf, mais toujours poète et émouvant. Renaud, bonsoir. Bonsoir. Pour vous présenter, il y a quelques mois, j'aurais insisté sur votre métier de chanteur, chanteur en colère ou chanteur rêveur, sur vos 8 millions de disques vendus, sur la foule qui se presse à vos spectacles, au Zénith comme au Casino de Paris, sur le verlan que vous avez remis à la mode, la tontonmania avec laquelle vous avez flirté, le tiers-monde où vous avez plongé. Mais aujourd'hui, l'on découvre l'autre Renaud, Étienne Lantier, immortel personnage de Zola que vous incarnez dans le très beau film épopée de Claude Berry, Germinal. Et on se dit, dire que vous avez fait la fine bouche pendant des mois devant un si beau rôle que vous incarnez si justement. Merci. J'ai aussi hésité pendant aussi de longs mois avant d'accepter votre invitation à venir parler avec vous. Oh, mais c'est beaucoup moins difficile que c'est oui. Vrai que de jouer Lantier. Mais on se dit, est-ce que vous n'avez pas fait la chochotte un peu, vous faire prier à jouer? C'est un cadeau formidable qui vous a fait Berry. Totalement emballé par le rôle, par le personnage, totalement séduit. Je me sentais totalement habité par ce personnage de Lantier qui est un juste, qui est un idéaliste, et dont je me sens tellement proche. Et en même temps, je n'étais pas persuadé d'avoir les qualités nécessaires pour être digne de la confiance de Berry, la qualité d'exprimer tous ses sentiments et ses idées devant une caméra, quoi. C'est vrai que c'est quand il vous a dit que Patrick Bruel allait jouer le rôle que ça vous a décidé? Non, c'est une blague. C'est une blague que moi-même j'ai lancée un jour. Alors, on découvre à lire le livre de Pierre Assouline. J'ai des tas de choses à montrer ce soir. Alors, je montre ce livre de Pierre Assouline qui s'appelle Germinal, l'aventure d'un film paru chez Fayard. C'est un livre qui raconte le tournage et comment s'est fait le film. Et on découvre chez vous une immense timidité au point que, une pudeur, au point que vous ne vouliez absolument pas tourner de scènes d'amour de façon évidente. Et qu'à un moment donné, dans le scénario, il y a écrit Étienne empoigne Catherine dans un soudain réveil de sa virilité, et que cette phrase-là vous a emmené à des discussions pendant des jours et des jours. Oui, j'ai commencé par m'inquiéter de la taille du réveil, en l'occurrence. Et comme ces scènes d'amour, dont finalement une seule a été tournée d'une manière ô combien prude, j'avais donc pas vraiment de raison de m'inquiéter, étaient décrites dans le scénario d'une manière trop vague, j'avais peur que, au moment du tournage, Berry laisse aller à une envie d'érotisme qui me semblait d'abord un petit peu hors de propos par rapport au film, et puis surtout ce que j'aurais jamais pu assumer, quoi. Et ma pudeur, mon éducation protestante, oui, peut-être. Oui, justement, je me disais, est-ce que cette timidité, c'est pas... parce qu'on vous a pris... Vous êtes un provocateur, mais vous êtes aussi un grand timide, et c'est pas ce qui reste d'une éducation protestante, ça, justement. Peut-être, oui. Oui. En tout cas, vous êtes beaux yeux. Voilà. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez, pour ceux qui n'ont pas encore lu Germinal, pour ceux qui n'ont pas encore vu le film et pour cause, puisqu'il sort mercredi, raconter la trame, au fond, dire qu'est-ce qui arrive à Étienne Lantier, votre personnage? C'est une histoire assez classique, éternelle, universelle. C'est l'histoire d'un homme qui arrive, en l'occurrence Étienne Lantier, qui arrive dans le nord de la France. Il est chômeur, il se fait engager dans une mine. Et là, il découvre la misère, l'injustice, la faim, les gens qui travaillent comme des bêtes, comme des brutes, pour sans pouvoir nourrir leur famille, qui vivent dans la misère, dans les corons. Et il s'insurge, il commence avec son charisme à avoir un petit ascendant sur ses camarades qui travaillent autour de lui. Et il décide de les réunir tous pour obtenir des meilleures conditions de travail, quoi, et plus de justice et plus de pain. De faire une grève qui est, comme c'était souvent le cas à l'époque, réprimée dans le sang. Oui, mais il s'en va vaincu, sanglant, et oui. Ses idées n'ont pas triomphé, et ses amis sont morts. Mais c'est quand même un thème plein d'espoir, puisque ses idées, comme dit Zola, comme dit Berry, il a semé les graines dont les générations futures porteront les fruits. Mais c'est l'espoir seulement... Dans les deux dernières pages du livre, finalement, c'est quand même une réalité extraordinairement noire.
où vraiment la souffrance, la misère et presque l'inutilité de la lutte est décrite. Oui, je vous dis, mais c'est un thème universel. L'entier, c'est Spartacus, c'est la révolte des esclaves, quoi. C'est pour ça que ce film est encore totalement actuel aujourd'hui, quoi, parce qu'encore aujourd'hui, il y a plus de, dans ce monde, au XXe siècle, plus d'esclaves aujourd'hui qu'à l'époque de l'abolition de l'esclavage. Parce que de tout temps, en tout lieu, il y a des hommes qui ont lutté pour plus de justice et de dignité et plus de pain, et qui étaient confrontés à la bourgeoisie, aux nantis, la lutte éternelle de l'opprimé contre l'oppresseur, des justes contre la puissance d'argent, contre la lutte du capital contre le travail. On va venir d'ailleurs tout à l'heure à l'actualité de Zola, Germinal. Je voudrais juste montrer ce très beau livre de Benoît Barbier, qui est un livre de photos, qui est un livre magnifique sur des photos du tournage. Très belles photos, là je crois qu'on les voit, Depardieu et vous, Maheu et Lantier, voilà. Alors, précisément, ce personnage de Lantier, il pousse à la grève, c'est vrai, avec toute sa conviction et toute sa foi, mais il s'en va, laissant le naufrage derrière lui. C'est un idéaliste, c'est un naïf ou c'est un irresponsable ? C'est un idéaliste, un utopiste, un homme qui croit à la fraternité, qui croit à la mobilisation pour faire triompher ses idées. Ses idées d'ailleurs sont partagées par les autres, mais ils ont plus de difficultés à les exprimer. Lui ne savent ni lire ni écrire. Lui a une petite instruction, lui milite, lui lit Le Capital de Marx. Alors il exprime ses idées, les autres les suivent. Mais c'est les autres qui meurent. Dans ce contexte-là, elle ne triomphe pas, mais je vous dis, elle porte en elle un espoir. Alors, il y a beaucoup de personnages dans le film, comme il y en a dans le livre, on ne va pas les citer tous. Depardieu, formidable, Miu, admirable, Judith Henry, Jean-Roger Milhaud, inquiétant, Annie Dupéré, qui est une bourgeoise presque caricaturale, mais très, très, très bourgeoise dans l'idée que se faisait Zola, en effet, de ce qu'était la bourgeoisie en 1865. Ça se passe en 1865. Et puis, il y a Laurent Terzieff, inquiétant, qui joue le personnage de Souvarine, qui est un anarchiste russe et qui préfère, lui, la violence aveugle, la destruction totale, plutôt que la lutte syndicale. Et j'ai lu ici ou là que vous aviez plutôt... Alors, est-ce que c'est par timidité pour ne pas assumer le premier rôle ou par conviction, vous auriez presque préféré le personnage de Souvarine, qui est quand même le terroriste, quoi, l'ancêtre des Brigades Rouges, de la Mandabader. C'est essentiellement par timidité, de façon à ne pas supporter le poids d'un rôle aussi énorme sur mes frêles épaules de non-comédien, que je voulais. C'est une façon de dire à Berry, si tu veux vraiment que je fasse du cinéma avec toi, si tu crois en moi, donne-moi ma chance, mais commençons plus petit, quoi, par un rôle moins important, et en même temps par une espèce de fascination qu'exerce le personnage de Souvarine sur moi, du côté désespéré, le côté nihiliste, anarchiste, tout cassé, et savoir le côté de se dire que par le dialogue on est toujours vaincu, et par le pacifisme aussi, et que pour construire une société plus juste et nouvelle, il faut la construire sur les ruines de l'ancienne, donc tout détruire. Au fond, Renaud, c'est Lantier et un peu de Souvarine, c'est ça ? Oui, mais j'ai quand même plus de tendresse pour le Lantier idéaliste. Alors, l'actualité de Germinal aujourd'hui, dans la France d'aujourd'hui, c'est un des débats que suscite la sortie de ce film et de la relecture du livre. La Sofres a invité les Français à comparer la France d'aujourd'hui à celle du siècle dernier. Question, si l'on compare la France d'aujourd'hui à celle du siècle dernier, diriez-vous que les choses ont changé en profondeur ? Les inégalités ont beaucoup diminué, 42%. Les choses n'ont pas changé en profondeur, les inégalités sont toujours très grandes, 54%. Les choses ont changé pour les ouvriers, 36%, n'ont pas vraiment changé, 61%. Et il y a très peu de sans-opinion. En fait, c'est une sorte de diagnostic assez sévère sur la France d'aujourd'hui, qui est partagée par la plupart des catégories de la population, en tout cas par âge. C'est vrai qu'au RPR comme au PS, qui sont des partis de gouvernement, on juge plutôt qu'il y a moins d'inégalités qu'avant, tandis que dans les partis protestataires, PC, Front National, Écolo, on dit qu'il y a au fond plus d'inégalités qu'hier. C'est votre avis ? Oui, non seulement au niveau national, mais encore plus au niveau international, quoi, au niveau de la planète. Les conditions des travail des ouvriers ont changé en France, fort heureusement, grâce à des luttes sociales, grâce à des Lantiers, grâce à des mouvements de grève, on voit dans le film la naissance du syndicalisme révolutionnaire, à travers les caisses de résistance.
Mais les conditions se sont améliorées. Dieu merci. Mais aujourd'hui, la situation est totalement différente. La classe ouvrière a diminué en nombre. Le syndicalisme a tendance à perdre totalement de son efficacité. Mais malgré tout, le problème sous le Second Empire, c'était l'exploitation. Aujourd'hui, c'est l'exclusion. Et c'est un problème encore plus grave, quoi. Alain Genestard consacre son éditorial dans le Journal du Dimanche justement à Germinal et il écrit qu'au temps de Zola et de Lantier, évidemment la vie était mille fois plus dure et que les répressions étaient plus fortes, qu'on mourait sur les barricades et qu'on mourait pour le droit de grève et d'autres libertés. Mais il y avait, ajoute-t-il, malgré la dureté, il y avait l'espoir. Aujourd'hui, le combat a changé de nature et avec lui ses combattants, les arrière-petits-enfants de Germinal ne sont plus les gueules noires, mais les millions de chômeurs, les immigrés clandestins, les oubliés du tiers-monde, les sans-rêve. Comme au temps de Zola, l'écart entre eux et les plus riches est insupportable, mais cette fois la société n'a plus de réponse sociale à leurs problèmes. C'est magnifique ce qu'il a écrit, et c'est vrai. C'est vrai aussi quand même que en Europe aujourd'hui, la société n'a plus grand-chose à voir avec la société de l'époque. On a quand même conquis des droits sociaux, un code du travail, des prestations sociales, une protection que, évidemment, on ignorait sous le Second Empire. Oui, mais aujourd'hui, je vous dis, les gens luttaient pour plus de dignité, plus de justice, plus de pain dans le contexte de leur travail. Aujourd'hui, il y a des millions d'exclus du travail, c'est-à-dire exclus de la vie sociale, de la vie économique, considérés comme des parias qui se retrouvent à la rue. C'est plus des gueules noires, j'abonde totalement dans le sens de cet éditorial. Ce sont des cœurs noirs, des vies noires, quoi. Désespérante, et sinon au niveau international, on peut tout à fait comparer la situation sous Zola dans les mines avec celle aujourd'hui qui prévaut dans les mines en Afrique du Sud, les mines de charbon qui font un millier de morts par an par accident, les mines de diamants d'Afrique du Sud, les mines d'or en Colombie où des enfants de 5 ans pendant 15 heures par jour portent des charges de terre sur leur dos pour gagner un salaire de misère. Le monde, à ce niveau-là, n'a pas vraiment changé. Il faut dire qu'il y a des discours aussi qui sonnent curieusement aujourd'hui, et ça, c'est mot pour mot dans le livre de Zola, et celui-là aussi, je veux le montrer, c'est la réédition en livre de poche de Zola. Alors là, on peut inciter vraiment tout le monde, tous les jeunes, à le lire. C'est un texte magnifique, et dont des phrases, d'ailleurs, entières sont reprises dans le film, qui est très fidèle. Quand Enbo, le directeur des mines, reçoit la délégation des ouvriers, et explique, voyez-vous, il y a la crise, la concurrence, les usines qui ferment, la compétitivité, ça rappelle des choses, hein, dans le discours d'aujourd'hui. Oui, ça signifie simplement que cette triste réalité, que les patrons ont toujours tenu le même discours, quoi. Alors, on va commenter l'actualité de la semaine. C'est vrai que vous allez bien quand vous lisez pas les journaux et vous êtes malheureux dès que vous les lisez. Oui, les journaux me donnent pas souvent l'occasion de me réjouir et de trouver ce monde joli, joli. Bon, on va essayer ce soir de ne pas vous rendre trop malheureux, mais on va regarder ensemble ce qui s'est passé, notamment au début de la semaine, marqué par la bataille du Gat et l'histoire qui fait marche arrière en Pologne. Claire Auberger, Joseph Pénisson. Pologne, les ex-communistes sont de retour. 4 ans à peine après avoir été chassés du pouvoir, les héritiers de l'ancien régime, rebaptisés Alliance de la gauche démocratique, gagnent les législatives avec plus de 20% des voix. Leur fidèle allié, le Parti paysan, arrive juste derrière. Cruelle défaite pour les mouvements issus de solidarité, notamment l'Union démocratique du Premier ministre Anna Sushoka, qui passe à peine la barre des 10%. Traumatisés par la crise sociale, les Polonais réclament une pause dans la thérapie de choc. Les vainqueurs l'ont promis, il n'y aura pas de retour en arrière, seulement un ajustement des réformes. Avec qui vont-ils gouverner? Les négociations sont délicates, d'autant que le président Lech Wałęsa aura sans doute du mal à se résoudre à cohabiter avec ceux qu'il a toujours combattus. Déception à Saint-Nazaire pour Claude Évin. Devancé de 29 voix seulement, l'ancien ministre socialiste de la Santé est battu au second tour par le RPR sortant Étienne Garnier. Beau succès dans les Landes pour Henri Emmanuelli. Dès le premier tour, l'ex-président de l'Assemblée retrouve son siège de député. Un mandat qu'il avait remis en jeu après son renvoi en correctionnel dans l'affaire Urba. Mais la fête tourne court. Mercredi, l'ancien trésorier du PS et son prédécesseur André Léniel sont mis en examen pour complicité de trafic d'influence et de corruption. L'instruction concerne toujours le financement occulte du PS, mais à Marseille cette fois.
aucune entreprise publique ne sera admise à présenter un nouveau plan social qui ne comprendrait pas toutes les mesures prévues par la loi quinquennale destinées à éviter les licenciements. Avant même d'être voté, le plan emploi doit être appliqué. Ainsi en a décidé Édouard Balladur après les 10 000 suppressions d'emplois annoncées la semaine dernière dans des entreprises publiques. Toutes sont donc priées de revoir leur plan social en jouant notamment sur une plus grande flexibilité du temps de travail pour éviter les licenciements secs. Message aussitôt reçu chez Thomson où l'on s'efforcera de ne pas supprimer les 1 600 emplois prévus. Cette ferme recommandation vaut également pour les entreprises privées. De leur bonne volonté dépendra l'aide financière de l'État. La France gagne du temps dans la guerre du GATT. À Bruxelles, au bout de 13 heures de débats orageux, les 12 chargent Sir Leon Brittan de rediscuter avec les États-Unis le pré-accord agricole signé à Blair House. Dès lundi, le commissaire européen se rendra à Washington dans l'espoir de clarifier, voire de compléter, les dispositions contestées par la France. Mais il n'est pas question de renégocier, un verbe tabou pour la plupart des Européens, Grande-Bretagne en tête. Ce distinguo subtil, concocté par le couple franco-allemand, aura permis à l'Europe d'éviter une crise. Alain Juppé se dit pleinement satisfait. Plus mitigé, les syndicats agricoles, eux, jugent que le plus difficile reste encore à faire. En effet, les États-Unis l'ont aussitôt fait savoir, ils n'ont aucune intention de rouvrir, sous une forme ou sous une autre, le dossier agricole. La marge de manœuvre de Leon Brittan sera des plus étroites, c'est le moins que l'on puisse dire. À vos lasers, 20 ans après leur sortie en vinyle, les mythiques compiles rouge et bleu des Beatles sont enfin disponibles en CD. Fini les grésillements nostalgiques sur Help, Let It Be ou Yellow Submarine, indémodables, les voilà désormais inusables. Alors pour Renaud, le chanteur, les Beatles, c'est les plus grands, c'est le panthéon normal. Oui, dans ce style de musique, la musique rock anglo-saxonne, oui, c'est le... C'est le plus grand groupe du monde, quoi. C'est un groupe éternel. Mais vous écoutez encore les chansons des Beatles, vous avez l'impression de... Ah, toujours, et mes filles les écoutent aussi, et comme je les écoutais. Bon, et ça se transmet... C'est une musique qui va être transmise de génération en génération, quoi. Paul McCartney sera l'invité de 7 sur 7 dans 15 jours en exclusivité en France. Alors le GATT, ce bras de fer entre les Européens et les Américains, est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous avez toujours été plutôt anti-américain, faut bien dire? Enfin, pas follement pro, quoi. J'ai jamais été du côté des maîtres du monde, de ceux qui veulent faire la police sur la planète et qui, par leur consommation, leur mode de vie et leur politique... saigne une partie de tiers-monde. Il faut dire quand même qu'il y a beaucoup de pays du tiers-monde dont le rêve est américain. C'est pour beaucoup peut-être, de pays, non. C'est un modèle aussi de développement et de démocratie. Une telle détresse et un tel désarroi qu'on peut leur pardonner de se tromper d'idéal. Mais sinon, le GATT... Il y avait 78% des Français la semaine dernière qui se disaient solidaires des agriculteurs. Est-ce que vous rangez dans cette catégorie? Je me sens solidaire des petits agriculteurs, des petites gens, des gens qui crèvent, des gens qui souffrent. Je ne me sens pas très solidaire dans les négociations qui concernent... Les agriculteurs sont, paraît-il, 6% des Français. Les concernés par les accords de Blair House, ils sont 25% seulement de ces 6%. Ce sont les gros céréaliers bosserons, richissimes, en conflit avec les gros céréaliers texans, richissimes aussi, dont la seule ambition est de balayer la planète, de gagner le plus d'argent possible. C'est le nerf de leur vie, de leur guerre, c'est l'argent, les profits, le productivisme à tout prix. Oui, mais c'est vrai aussi Ces cultivateurs bosserons surproduisent et par là même font crever des petits agriculteurs pour toucher d'énormes subventions. Le gouvernement va les défendre. Parce que tout le monde sait que ces gros céréaliers bosserons de la Beauce sont les bailleurs de fonds du RPR, paraît-il. Oui, je crois que vous allez... Qu'ils menacent de financer le Front National si le RPR ne les soutient pas dans les négociations. Alors j'ai peur que le gouvernement les soutienne à fond.
Non, mais le gouvernement, et comme celui d'avant, d'ailleurs, dans un autre domaine, en l'occurrence le domaine culturel, par exemple. On va y venir là. Mais le gouvernement, comme celui d'avant, soutient les agriculteurs en général. Et c'est vrai que les gros agriculteurs ont des subventions, mais que les petits en ont aussi. Et si les petits n'ont plus de subventions, ils crèveront, comme vous dites, d'autant plus vite, eux aussi. Oui, donc ça concerne. Subvention ou pas, je connais des petits agriculteurs dans mon petit village du Vaucluse. Des types qui travaillent 15 heures par jour, qui passent des journées du lever du soleil au coucher du soleil à tailler des hectares de pommiers tout seul avec des subventions dérisoires et des fruits qui sont obligés de brûler sur les routes parce qu'on ne leur prend pas, parce que les pommes espagnoles sont moins chères encore. Et je ne comprends pas bien toutes les données du problème, mais je sais qu'il y a un sérieux problème. Alors vous je ne suis pas du... persuadé que les technocrates soient à même de les régler. Vous parliez du gâte culturel. Alors là aussi, est-ce que vous êtes, parce que les Français de François Mitterrand, Édouard Balladur, de Jacques Lang à Jacques Toubon, Alain Carignon, défendent tous l'idée qu'il faudrait sortir les problèmes culturels et audiovisuels des négociations de Absolument. Libre-échange du gâte. Alors est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, totalement. Il faut absolument préserver l'identité culturelle de la France et la spécificité culturelle européenne, avant qu'on soit totalement balayé par la culture américaine, par le cinéma américain, par la télévision, par l'audiovisuel américain qui veut faire dans le domaine culturel, en considérant que la culture est une marchandise, qui veulent faire comme ils ont fait avec McDonald's et une culture sans goût, sans saveur et sans histoire. Est-ce que ça veut dire quand... Ça veut dire la fin des projets comme Germinal de Claude Berry, ça veut dire la fin de notre cinéma, ça veut dire la fin de génies comme Wim Wenders, Almodovar, ça veut dire des Dallas à la place des créations françaises, ça veut dire Stephen King à la place de Zola, ça veut dire... Est-ce que quand vous dites tout ça, ça veut dire qu'au fond, vous avez une conscience européenne et que vous vous sentez européen? Si je vous demande ça, c'est que vous n'avez pas été très très chaud pour Maastricht, puisque je crois que dans l'isoloir, désespoir de cause, vous avez fait voter votre fille, lui disant « à toi de choisir », et elle a voté « oui ». Hein, mais vous n'étiez pas très motivé sur Maastricht, et pourtant tout ce que vous dites, c'est bien de dire « il faut qu'il y ait une Europe qui se défende face à un empire américain ou un empire asiatique qui pourrait détruire ou notre économie, notre culture ». Oui, je suis pas, c'est pas des arguments protectionnistes. Je me sens européen, mais je me sens avant tout mondialiste. Je me sens. Alors, l'identité européenne, je la ressens vaguement. Disons que j'ai conscience de vivre dans une espèce d'oasis un peu privilégiée. Et puis, ce qui me tentait dans Maastricht, c'est l'idée de balayer ses frontières et de construire une Europe des peuples, une Europe fraternelle, une Europe où les hommes, les idées, les cultures, les marchandises pourront circuler librement, pas une Europe de l'exclusion, pas une Europe de barrières douanières, de contrôle, de fichage, de l'Europe des banquiers, l'Europe des technocrates et des lobbies autoroutiers, l'Europe du béton qui veut ravager cette belle terre, quoi. Mais en ce moment, l'Europe se porte pas très bien, puisqu'on voit que, selon les sondages, si il y avait Maastricht au référendum aujourd'hui, 56%, je crois, des Français voteraient contre. Alors vous qui aimez bien être à contre-courant, c'est le moment ou jamais d'être européen, non? J'étais totalement perturbé à l'époque du référendum de Maastricht par des gens qui j'avais l'absolue confiance, qui pensaient oui, d'autres que j'aimais qui pensaient non. Il n'y avait pas assez d'alternatives, quoi. Oui et non, il me fallait autre chose, et ce n'était pas l'abstention. Donc j'ai donné ma voix à ma fille en disant, après tout, c'est l'Europe dans laquelle tu vivras, dans laquelle tu lutteras. Et elle a voté oui, c'est quand même assez. Elle a voté oui, parce que le oui, c'est l'avenir. C'est le mot oui est plus positif que le mot non. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le passeport européen contre le racisme, qui est un acte, en effet, d'adhésion contre le racisme, qui se trouve et en France et aussi à l'étranger, qui est édité par la Fondation France Liberté de Daniel Mitterrand. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce passeport, mais voilà, pour la conscience européenne dont on parlait tout à l'heure. Une très belle initiative, pourvu qu'elle fasse des petits. Alors, on va enchaîner en parlant, bien sûr, de vos rapports avec la gauche, puis de vos rapports avec les autres forces politiques de ce pays. Mais auparavant, on va faire une petite pause. À tout de suite. Renaud, on va parler un peu de politique, parce que vous avez été engagé dans beaucoup de combats, et un combat aux côtés de la gauche. Alors, la gauche, cette semaine, elle a gagné dans les Landes, elle a perdu à Saint-Nazaire. À votre avis, elle est dans quel état aujourd'hui, et est-ce que vous pensez qu'elle a eu raison d'exercer le pouvoir
Ou est-ce que vous pensez un peu comme le Souvarine de Germinal, qu'il vaut mieux pas exercer et rester loin des responsabilités pour pas avoir assumé éventuellement les bizarres. On l'a voulu, on l'a souhaité, moi pendant des générations, oui, ma famille, et moi pendant des années, on l'a eu. Je peux pas parler de trahison et de profonde déception, quelques désillusions, oui. Mais vous êtes toujours de la famille ? Je suis toujours de la famille, mais la gauche, quelle gauche ? La gauche au pouvoir, la gauche des ministères, la gauche caviar, la gauche dans la rue, c'est celle-là qui me plaît, c'est la gauche dans la rue, c'est la gauche pleine de rêves et d'utopie. Un jour j'ai entendu Rocard dire à la télévision, il y a quelques années, vous savez, la France n'a pas pour mission d'accueillir toute la misère du monde. Moi, dans mon rêve, de ma gauche à moi, si, la France a pour mission d'accueillir toute la misère du monde. Et de faire en sorte qu'il n'y ait plus de misère dans le monde et en France. Et la gauche de Tonton, si je dis Tonton, c'est que vous avez été un des premiers Tonton maniaques, c'est comme ça qu'on les a appelés, en 86-87. Pour un Tonton maniaque, admettez que j'étais particulièrement... Oui, alors justement, vous avez... Virulent, parfois, j'ai jeté des cailloux jusque dans les jardins de l'Élysée. Alors, vous avez justement, pour un Tonton maniaque, de 89, vous étiez déçu au moment du bicentenaire par la réunion du G7 à Paris. J'étais révolté, même. 91, la guerre du Golfe, vous n'étiez pas d'accord. Mm-hmm. On parlait tout à l'heure de Maastricht, ça, pour le moins, ça ne vous a pas emballé. Alors, néanmoins, vous, dans Globe, là, cette semaine, une grande interview de vous dites quoi, je l'aime, toujours. C'est les rapports affectifs, c'est pas seulement des rapports... Il y a l'homme, il y a sa dimension historique, sa dimension humaine, et puis il y a sa politique. J'ai effectivement toujours été séduit par ce petit bonhomme. Par son intelligence, sa culture, son charisme, son humour. Oui, comme j'ai pu le dire à maintes reprises, ce qui ne m'a pas empêché, ce qui m'a pas amené à rester au garde à vous devant lui quand j'étais absolument en opposition fondamentale avec sa politique, en l'occurrence deux fois essentielle, au moment du bicentenaire, quand il a réuni à Paris le G7, les maîtres du monde à Paris, au moment où on devait se fêter et honorer les sans-culottes, et la révolution. Et nous étions quelques-uns à penser à ce moment-là que les enfants du tiers-monde étaient des victimes de ces maîtres du monde, mais que c'était aujourd'hui eux qu'il fallait défendre. Mais est-ce que vous vivez pas... Et puis au moment de la guerre du Golfe, oui. Est-ce que vous vivez pas toujours dans une Ami, impression oui, Valais, non. De... Pas au garde-à-vous devant Tonton. Une impression de complot permanent que les riches du monde qui se réunissent, c'est pas forcément pour opprimer le tiers-monde, c'est aussi pour voir comment harmoniser leurs économies, pour que déjà leur population vive mieux. Ils auraient pu choisir un autre lieu, un autre moment. Symboliquement, c'était épouvantable. Alors, dans une de vos chansons, qui s'appelle Tonton d'ailleurs, vous parlez de lui, puis vous dites il rêvait que la gauche revenait. C'est dur, ça. Il a quand même assez de lucidité pour réaliser que entre la gauche dont on rêvait, dont il rêvait aussi sûrement lui, et la dure réalité de gérer une économie capitaliste avec des idées de gauche, il y a quand même un décalage fondamental, et que si on s'en tient simplement au texte du programme commun avant l'arrivée de la gauche au pouvoir, et la réalité telle qu'elle est devenue par la suite, il y a quand même une sacrée différence. Alors on parlait de Tonton Mania. En ce moment, en France, il y a une sorte de doudou mania, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'Edouard Balladur est en tête, archi en tête de tous les sondages. Vous êtes atteint, vous ? J'ai pas l'impression. Pas précisément. Je suis pas franchement sensible au charme suranné des notaires. Ma fille, quand elle le voit à la télévision, elle dit « Oh, il a l'air gentil, lui ». J'ai l'impression que... Il a l'air gentil. Oui, il a l'air gentil. J'ai l'impression que les Français jugent Balladur avec les yeux d'un enfant de 13 ans, quoi. C'est-à-dire, il a l'air gentil, il a l'air. Sa politique l'est beaucoup moins, quoi. C'est parce qu'il parle pas verlan. C'est vrai que la droite aujourd'hui a eu l'intelligence de revenir au pouvoir moins arrogante qu'elle ne fut pendant et moins criminelle qu'elle ne le fut pendant la cohabitation. Et surtout revenir au pouvoir parce que les Français l'ont voulu. Quoi qu'il y a toujours des mômes assassinés dans les commissariats, mais bon. Il y en a eu aussi sous la gauche. Mais sous la cohabitation, il y en a quelques-uns qui sont de tristes mémoires. Vous disiez, pardon ? Oui, je dis, elle est surtout revenue. Vous dites, elle est revenue au pouvoir. Elle est surtout revenue parce que les Français ont voté pour elle et l'ont voulu. Oui, mais il paraît que les peuples ont les gouvernements qu'ils méritent. Bon, enfin, Genestard dit aussi dans son article qu'autrefois, il n'y a plus aujourd'hui d'expression collective de la colère. Les gens sont plus individualistes, les gens sont perdus, les gens sont anesthésiés, les gens sont résignés peut-être. Je crois que Balladur est en train de gérer la désespérance. C'est, c'est,
c'est triste. Vous votez toujours ? Toujours. Vous estimez que le bulletin de vote, c'est indispensable d'en faire état dans une démocratie ? Oui, j'estime que de s'abstenir, c'est donner sa voix au vainqueur. Suite de la semaine, la lutte contre la drogue, les malheurs de l'OM, ceux de la Russie et l'horreur devant le meurtre de la petite Karine. Claire Auberger, Joseph Pénisson. Karine, 8 ans, a été violée et assassinée le jour de son enlèvement, le 13 septembre dernier. Retrouvée après un appel à témoins, l'assassin présumé, Patrick Tissier, est un récidiviste déjà condamné à 2 reprises pour viol et pour meurtre. Bénéficiant du régime normal, du cumul des peines, il avait été libéré l'an dernier. Choqué, comme tous les Français, le garde des Sceaux, Pierre Meignery, annonce un projet de loi pour que les meurtriers d'enfants, condamnés à perpétuité, restent réellement en prison toute leur vie. La peste soit de l'avarice. Il a presque tout joué. De son inoubliable Tartuffe à Harpagon, Fernand Ledoux a interprété plus de 800 rôles au théâtre, parmi les plus grands du répertoire classique. Sa carrière cinématographique fut tout aussi exemplaire, pas moins de 200 films, dont quelques chefs-d'œuvre, La Bête humaine ou Goupil main rouge. Fernand Ledoux s'est éteint à l'âge de 96 ans. 85 millions de francs contre la toxicomanie. Aux côtés de Charles Pasqua et de Simone Veil, Édouard Balladur annonce un plan anti-drogue destiné avant tout à combler les lacunes du secteur sanitaire. Pour lutter contre le sida, le gouvernement prévoit une extension limitée des échanges de seringues et des produits de substitution tels que la méthadone. Par ailleurs, l'idée d'un débat public sur la dépénalisation lancée par Charles Pasqua est remplacée par la création d'une commission d'experts. Les associations sont déçues, elles dénoncent des mesures dérisoires et des moyens insuffisants. L'OM, déchu de son titre de champion de France. Christophe Robert, Georges Bourouchaga et Jean-Jacques Aidli suspendus jusqu'à nouvel ordre. Jean-Pierre Bernès, l'ancien directeur de l'OM, privé de licence. Acculé par les instances internationales, la Fédération française de football a fini par sévir. Tous les joueurs impliqués, à l'exception de Jean-Jacques Glasman, sont sanctionnés. Les présidents des deux clubs, eux, sont épargnés. Accueillis avec soulagement à Marseille, ces mesures sont jugées plutôt clémentes, d'autant qu'elles sont prises à titre provisoire en attendant les suites de l'instruction judiciaire. Le coup de force de Boris Eltsine. En direct à la télévision, le président russe annonce la dissolution du Parlement et l'organisation d'élections législatives en décembre et présidentielles en juin. Après 2 ans de crise politique, le maître du Kremlin choisit la manière forte pour se débarrasser d'une opposition législative héritée de l'ère communiste. La contre-attaque est immédiate. Réuni d'urgence, le Congrès des députés crie au coup d'État, destitue Boris Eltsine et nomme à sa place le vice-président du Parlement, Alexandre Routskoï. Situation surréaliste, la Russie se retrouve avec 2 présidents. Mais la lutte paraît vite inégale, soutenue par l'Occident et les États de la CEI, confortée par l'appui de la police et la neutralité de l'armée. Boris Eltsine tient à rassurer la population. Il n'y aura pas de recours à la force. Néanmoins, jeudi, après l'attaque meurtrière d'un bâtiment de la CEI, la tension monte. Appelé en renfort, des troupes gouvernementales encerclent la Maison Blanche. Retranchés à l'intérieur, sans électricité ni téléphone, les députés continuent d'exercer un pouvoir qu'ils n'ont plus, soutenu à l'extérieur par une poignée d'irréductibles. À moins de nouveaux dérapages, la victoire de Boris Eltsine ne semble plus qu'une question de jour. Alors, avant de parler de la Russie, on va dire un mot quand même du foot. Le feuilleton OM Valenciennes, quelque chose me dit, quand vous regardiez les images, que vous n'avez pas vibré comme beaucoup de Français ou comme les Marseillais. Pognon, pognon, pognon. Pouvoir, pognon, et c'est ça qui guide le monde, c'est ça qui guide le monde du football. Comme le jeu aussi, ça existe. Le jeu, c'est magnifique, mais la compétition, j'adore le foot, mais l'esprit de compétition engendre ça, engendre le dopage, engendre les luttes intestines pour le pouvoir, engendre les magouilles, c'est évident, je veux dire, on en a la preuve aujourd'hui. La tricherie, la magouille, et puis quand le football engendre les haines, le nationalisme, le chauvinisme, les hooligans, toute cette violence, le racisme même. C'est désespérant. Alors, je sais qu'aujourd'hui, pareil, c'est le dernier élément fédérateur entre les beaufs, les jeunes, les enfants perdus. C'est un peu désespérant, quoi.
C'est-à-dire, vous ne voyez que le côté noir, pas le côté de la fraternité, des équipes, de vibrer ensemble, du plaisir, du jeu, encore une fois. Je vois plus courir des billets de banque que des sportifs. La Russie. Alors, est-ce que vous êtes comme la plupart des gens, est-ce que vous soutenez Boris Yeltsin avec l'idée que c'est le seul aujourd'hui qui puisse imposer des réformes ? Je ne vous cache pas que la situation politique me déroute un peu, me dépasse. Je ne comprends pas bien ce qui se passe en ce moment à Moscou. Ce que je comprends, c'est que j'ai jamais eu une grande confiance en ce bonhomme qui m'a toujours paru démagogue. Je comprends que la Russie va à volo, que entre le banditisme, la drogue, le gangstérisme, le plus de travail, le chômage, c'est une société en déliquescence totale. Je leur souhaite bien du courage. Je ne voudrais pas être à la place ni d'Yeltsin, ni de ses ennemis. J'ai envie de vous redire aussi un peu comme tout à l'heure, c'est au fond le suffrage universel qui répond. Yeltsin, il a été le premier chef de l'État russe depuis 1000 ans, élu au suffrage universel, 2 fois d'ailleurs, de double légitimité. Les autres, c'est les tenants d'un système qui, moins qu'on puisse dire, n'a pas fait ses preuves. Non, je ne suis pas sûr qu'il y ait un système de société idéal pour faire vivre les hommes ensemble, aussi nombreux surtout. J'ai jamais considéré que le suffrage universel était la panacée pour la liberté et pour l'égalité, quoi. Ah, comme dirait Churchill, on n'a pas encore trouvé mieux. Voilà, on n'a pas encore trouvé mieux. Enfin, disons qu'ils n'étaient peut-être pas vraiment habitués à ça. Et toujours est-il que force est de constater qu'aujourd'hui, si j'étais un jeune soviétique, j'aurais peut-être une certaine nostalgie d'un système plus totalitaire dans lequel les gens avaient du travail, du pain et pas de liberté. Et pas de liberté, la liberté de quoi faire, d'aller pointer au chômage et de se faire égorger dans la rue ou de mourir de faim sous un pont. Alors, question posée par la Sofresse aux Français. Dans le conflit en Russie entre Boris Yeltsin et Parlement, vous sentez-vous plutôt du côté de Boris Yeltsin qui veut dissoudre le Parlement, 38%, plutôt du côté du Parlement qui veut destituer Boris Yeltsin, 13%, sans opinion, 49%, ça laisse en gros un Français sur deux plutôt indifférent, contrairement d'ailleurs à la tentative du putsch contre Gorbatchev il y a 2 ans. Vous êtes particulièrement proche de Gorbatchev, oui. Pour ne pas répondre à votre question, mais pour... Proche de Gorbatchev, vous lui avez consacré d'ailleurs une chanson qui s'appelle Welcome Gorby, sur le thème « Viens donc un peu chez nous faire le ménage ». Est-ce que franchement, vous croyez que la Russie de Gorbatchev, c'était mieux que la France de Mitterrand et de Balladur ? J'avais humainement plus confiance en cet homme-là, oui, pour essayer de redresser la situation, oui. Quand vous voyez revenir les communistes en Pologne, ça vous fait quelle impression ? Vous ne dites pas quel retour en arrière ? Je dis quelle ironie de l'histoire. Vous avez la nostalgie de ces régimes totalitaires. Non, bien évidemment. Je ne pense pas qu'on puisse me prendre en piège d'avoir jamais dans ma carrière, dans mes écrits, dans mes mots, dans mes chansons, apporté la moindre goutte d'eau à la défense de ces régimes-là. Mais quelle ironie de l'histoire. Je me dis que les gens devaient être dans un tel désarroi après avoir été gouvernés si longtemps par des curés et des nationalistes, quoi, pour faire appel aux anciens staliniens qui, dans un nouveau costume et sous un nouveau nom, et en espérant qu'ils auront retenu les leçons de l'histoire, vont essayer de changer le cours des choses, quoi. Je veux dire, c'est pareil, c'est un pays où il y a quelques années encore, sous ce régime totalitaire, il n'y avait pas de chômage, pas de crise, la médecine était gratuite, pas de sang SDF. Oui, mais on voit que quand ce régime s'écroule, ce régime n'avait résolu aucun des problèmes de la société, qu'on retrouve l'état de la société il y a 70 ans. Donc, quel échec aussi. Enfin bon, on ne va pas faire un débat là-dessus ce soir. Mais la vie et les sociétés sont peut-être une succession, une suite d'échecs. Allez, c'est le pessimisme noir de Zola qui revient. Le plan de la lutte contre la drogue, vous êtes concerné, vous avez écrit une chanson qui s'appelle La Blanche, si je me souviens bien, sur les jeunes et sur la drogue. Le gros problème, c'est la contamination et le sida. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui ? Vous parliez de votre fille tout à l'heure, qui a 13 ans, qui va donc au lycée. Quel discours vous tenez aujourd'hui aux jeunes ? Le discours... Je ne veux pas tomber dans un discours moralisateur, c'est pas mon propos, c'est pas mon truc en plus. Quel discours voulez-vous que je tienne différent de celui d'un père de famille qui voit son enfant qui est arrivé aux portes de l'adolescence, une petite fille qui est jusqu'à aujourd'hui protégée, qui a vécu dans ce monde privilégié de l'enfance qu'on voudrait prolonger parce que fragile et ô combien magique, qui arrive aux portes de l'adolescence dans un monde...
ou frappé par la drogue, le sida, et un discours de protection, un discours de... Je sais pas trop, je sais. D'espoir aussi. D'espoir, oui, mais vous savez, j'entends un petit peu les enfants, les copines de ma fille, ses copains parler de ça. Je crois que ça va faire une génération non seulement en danger de mort, et surtout une génération d'enfants traumatisés, quoi, parce que à cause des images et de ce qu'ils ont vu ou lu, sans bien comprendre peut-être tout, ils ont associé le mot de sida au mot d'amour, enfin rapport sexuel égale amour, si rapport sexuel égale sida, amour égale sida, si préservatif qui est un moyen de contraception est un remède, alors, et c'est vrai, c'est la première des protections, la plus essentielle, alors procréation égale sans préservatif, égal danger de mort aussi, enfance, naissance égale mort, c'est ça qui est terrifiant. Quand on parle de drogue, on parle de population à risque, on parle de quartier à risque aussi, on parle souvent des banlieues. Vous les avez chantées, vous les avez aimées. Je dis vous les avez, est-ce que vous y allez toujours? Est-ce que vous les comprenez toujours, les banlieues? Je les ai connues, je les ai fréquentées, je les ai aimées, c'est un bien grand mot. J'ai aimé les gens qui vivaient là-bas, je les ai connus, j'ai chanté leur petite joie, leur petite misère quotidienne. Ça passait à l'époque pour du folklore. Aujourd'hui, les banlieues sont devenues de tels ghettos que je ne vous cache pas que je suis partiellement déconnecté des banlieues. Elles me font peur, oui, en tant qu'être humain, en tant qu'individu, je suis beaucoup plus terrorisé, mais un mur de Berlin est tombé, un autre est en train de s'ériger, c'est le mur qui est entre les classes dominantes et les dominés, entre les pauvres et les riches, entre les villes et les banlieues, et entre le nord et le sud. Et je pense que quand les banlieues se réveilleront, ça sera, je veux dire, le mai 68 ne partira pas de Nanterre, je pense qu'il partira plus de Mantes-la-Jolie ou des Minguettes, parce qu'on fait vivre des gens comme des loups, et on sait la drogue. En Amérique centrale, la finance internationale sur les claviers d'ordinateur à la bourse de Tokyo, de New York, décide de faire chuter le cours du cacao. Les paysans colombiens n'ont pas d'autre ressource pour nourrir leur famille que de faire pousser de la coca. Ils créent une économie parallèle, criminelle, mais parallèle, qui leur permet de vivre. En banlieue, ils font pareil. Ils n'ont pas de travail, pas d'avenir, pas de perspective, pas de loisirs, pas d'espoir. Et pas de pain, rien à manger. Qu'est-ce qu'ils font? Ils créent une économie parallèle de celle dont ils sont rejetés. Il crée l'économie de la drogue, du commerce et de la consommation de la drogue. C'est un problème de société, c'est un problème politique. Fin de la semaine, Renaud, le Proche-Orient, les Jeux Olympiques et le budget. Claire Auberger, Joseph Pénisson. Le gouvernement pousse à la consommation. Adopté en Conseil des ministres, le budget 94 contient une bonne nouvelle pour les ménages. L'impôt sur le revenu sera réduit de 19 milliards de francs et le nombre de tranches passera de 13 à 7. Une vaste réforme fiscale destinée en partie à compenser l'augmentation de la CSG. Principaux bénéficiaires, les familles nombreuses et modestes. Objectif, convaincre les Français de dépenser plus pour redonner un coup de fouet à l'activité. Pour combler le manque à gagner, le gouvernement compte sur les privatisations. Côté dépenses, c'est toujours la rigueur. Tous les ministères doivent se serrer la ceinture, à quelques exceptions près, notamment l'éducation et le travail. L'ambition de Nicolas Sarkozy est de contenir le déficit budgétaire en dessous des 300 milliards de francs. Accueilli avec prudence, ce texte est considéré dans la majorité comme le moins mauvais possible en ces temps de crise. Durant leur journée parlementaire, les socialistes, eux, dénoncent un budget truqué et démagogique. Le Conseil d'État donne son feu vert à une révision constitutionnelle. Les sages du Palais Royal estiment que c'est le seul moyen de dispenser la France d'examiner les demandes d'asile rejetées par d'autres États signataires des accords de Schengen. Fort de cet arbitrage, Édouard Balladur souhaite que le Parlement puisse rapidement examiner un projet de réforme réclamé par Charles Pasqua et les durs de la majorité. Mais la partie n'est pas encore jouée. Maître de la procédure, François Mitterrand aura son mot à dire, notamment sur le contenu de la révision. De leur côté, le PS et les mouvements antiracistes craignent une remise en cause d'une liberté fondamentale, le droit d'asile. On attendait Pékin et c'est... The winner is Sydney. Sydney qui gagne les JO de l'an 2000. Les Australiens explosent de joie.
Les Chinois accusent le coup, la lutte a été serrée. Finalement, le comité olympique a préféré une capitale moderne, écologique, sportive à un régime totalitaire, et on peut les comprendre. La Knesset vote pour la paix. Par 61 voix contre 50, les députés israéliens ratifient l'accord sur l'autonomie des territoires occupés et la reconnaissance de l'OLP. Comme prévu, les débats ont été longs et tumultueux. Les ténors du Likoud, emmenés par Yitzhak Shamir, ont hurlé à la trahison des idéaux sionistes. « Comment pouvez-vous supporter la misère des camps de réfugiés ?» s'est exclamé de son côté le chef de la diplomatie, Shimon Peres, qui en a appelé à la conscience juive. Avec cette victoire politique, le Premier ministre Yitzhak Rabin a désormais les coudées franches pour la mise en œuvre des accords de paix. Je ne courrai plus en Formule 1 après le Grand Prix d'Adélaïde 93. Cette fois, ça suffit. Fatigué des querelles sportives et médiatiques, Alain Prost quitte les circuits à la fin de la saison. En pleine gloire, arrivé second dimanche au Grand Prix d'Estoril au Portugal, il vient d'être sacré champion du monde pour la 4e fois. Les relations entre Édouard Balladur et moi. Eh oui. Eh oui, parlons-en. Pour dissiper les rumeurs, Jacques Chirac et Édouard Balladur l'affirment haut et fort aux journées parlementaires du RPR. Ils ne sont ni fâchés, ni en concurrence. Leur seul mot d'ordre, l'union. Message plus nuancé mardi aux journées de l'UDF. Soucieux de préserver l'indépendance du mouvement, le président du groupe à l'Assemblée, Charles Millon, promet au gouvernement de le soutenir avec loyauté, mais aussi avec exigence. Alors Renaud, très vite, parce qu'il est tard et on va écluser un certain nombre de sujets comme ça rapidement. Le Proche-Orient, bien sûr, la poignée de main de la semaine dernière, vous êtes comme tout le monde, quoi. Moi, je suis plus que tout le monde, parce que j'étais un militant farouche pour arriver à cette paix, quoi. Cette paix fragile, bien évidemment, mais... Bon, alors, autre sujet, on passe vite. Le budget, je vous ai vu froncer les sourcils. Ce budget, c'est pas étonnant, pas de ce que vous avez dit. Mais c'est 20% pour l'armée. On demande pour l'armée. 20% pour l'armée, oui. Oui, mais aussi 20% pour du budget global. La justice, l'éducation. L'éducation, 22%, l'armée, 20%. Pour combattre qui? Quel ennemi? Maintenant qu'il n'y a plus d'ennemis à l'Est. Pour fabriquer des milliers d'adjudants et des adjudants qui vont massacrer dans les pays d'Afrique et torturer dans les casernes des jeunes appelés. C'est pitoyable. Qui vont aussi en Yougoslavie? 85 millions de plans de lutte contre la drogue, 200 milliards pour l'armée. C'est triste, quoi. Non, ça, c'est l'antimilitariste qui se réveille violemment. Les Jeux Olympiques à Sydney, ça vous plaît que ce soit en Australie ou plutôt... Je vais pas vous dire mon plaisir. Bien évidemment que j'ai des critiques à formuler, mais en tant que membre de Greenpeace, la candidature de Sydney était soutenue par Greenpeace. On va peut-être voir des... Oui, non, je vois. Et puis en plus, bon, là, l'Australie, à part avoir massacré quelques milliers d'aborigènes, n'a pas la réputation d'être un pays qui atteint franchement aux droits de l'homme, comme la Chine. Oui, donc c'est aussi le soulagement que ce ne soit pas sur la place Tiananmen. Et on va peut-être voir des sportifs, vu que ce sera le premier jeu écologique, avec nourris aux anabolisants sans phosphate. vous voyez que le sport, c'est bien. Prost qui renonce à la compétition. Bon, il y a longtemps qu'on avait renoncé à Alain Prost, nous. Nous, c'est qui? Nous, moi et mes potes de Charlie Hebdo et quelques autres. Bon, voilà, billets pour l'hiver. Peut-être un dernier mot. Il paraît que vous étiez contre la réforme de l'orthographe et que vous avez même créé un comité de soutien pour la sauvegarde de l'accent circonflexe. Moi, je me dis, pour un type qui écrit ma gonzesse ou laisse béton, c'était surprenant, ça. J'aime la langue française, c'est pour ça que je me permets parfois de la maltraiter comme une vieille dame un peu trop rigide. Non, mais on m'avait présenté le dossier de la réforme en mettant en avant essentiellement la suppression des accents circonflexes et du pH de nénuphar. Alors je m'étais insurgé. Mmh. Ensuite, quand j'ai lu la réforme en question dans les pages d'un hebdomadaire, j'ai trouvé que cette réforme était tout à fait légitime. Elle n'a pas cessé d'être réformée, la langue française. Vous êtes fait à nénuphar avec un F, malgré Boris Vian. Non, on a la réforme tolérait les deux orthographes, donc je continue avec pH. Bon, et l'accent circonflexe, c'est... Ah, j'y tiens. J'en mets partout. Bon. Là, il n'y en a pas. Si je dis... C'est joli, le petit chapeau chinois sur les mots.
Je suis très heureuse d'avoir reçu Renaud ce soir, mais j'aurais aimé qu'il arrivât plus tôt, ça vous va? Parfaitement, merci. Bon. Je suis très heureux aussi. Bon, c'était pas si terrible? Non, ça va. Bon, merci Renaud. Demain, c'est vous allez dans le train spécial pour Lille, où oui. Il y a la première de Germinal.